Good morning, Aleid, et tu seras aujourd'hui le Nishmatam Ramiona Ben Chana Nissim Ben Ahuda, Sarah Bat Chana Rachel, ainsi que le Refouat Ari Akiba Ben Shachar, et Raphaël Zevolon Ben Chaya Malia Betor Shara pour l'Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah contactée à 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhat Avot, Perikhaï Mishnah Bet. Asara Dorot Me Adam Vead Noach, Lehodia Kama Ere Chapaim Lefanav, Shekol Adorot Ayumach Isin Ubain Ad Shehevi Alehem et Me Amabul. עשרה דורות מנוח ועד אברהם, להודיע כמה ערך הפעמים לפניו שכל הדורות היו מכעיסין ובאין, עד שבא אברהם וקיבל עליו שכר כולם. משנה כיפה, ישראל פרמופת כמר ויוז, כמובן אקספיקי בזאת השם. עשרה דורות מאדם ועד נוח, il y a eu 10 générations depuis אדם jusqu'à נוח. אדם, שת, אנוש, חנוך, מתושלח, שפלוי, שגלפה, אבל regardez. Faites le tour dans le Gaon ne les compte pas cette fois-ci. On a toujours le Chidusha Agra, c'est le professionnel pour, en général, développer toute cette génération. Là, il n'a pas expliqué. En tout cas, si vous comptez les générations, les Toldot, Shamaim, Beibaream, là-bas on commence à raconter depuis Adam, après Shet, Enosh, et tout ça, ainsi de suite, vous allez voir qu'il y a des générations de Adam jusqu'à Noir. La Torah les a précisées, toutes ces générations, pour t'apprendre. Les Hodia, pour t'enseigner. Kama er chapaim lefanav. Combien Hachem il a de la patience devant lui, c'est-à-dire qu'il retient sa colère. Chez Kol, par définition, Er Chapaim, c'est qu'il retient sa colère. Il rallonge sa colère. Littéralement, le Haf, ça veut dire le nez. C'est le Shahora, il explique, si ça vous intéresse. Shahora, il explique, c'est très intéressant. Shahora, il explique que on illustre toujours la colère par de la fumée qui sort du nez. Genre comme si que je boue à l'intérieur de moi et j'ai la fumée qui sort. Et pour illustrer quelqu'un qui a de la patience et qui ne s'énerve pas, alors la Torah utilise Erech Af. Il rallonge son nez, c'est-à-dire au lieu de faire sortir la fumée, il a le nez qui se rallonge et il retient la fumée à l'intérieur. C'est beau quand même. C'est rapporté dans le Sha'arora. Rabbi Yosef Diktilia, un des kabbalistes d'Espagne à l'époque du Rajba. En tout cas, donc la Torah nous a précisé les 10 générations pour t'apprendre Kama Erech Apaim Lefanav. Combien il est patient, il retient sa colère devant lui. Chez Kol Adorot, car toutes ces générations, à part Adam, Chet, ça allait encore, mais depuis Enoch, Azuchal, on a commencé, là-bas ils ont commencé à faire la Vodazara, et malgré tout, et après ainsi de suite, là-bas avec toutes les générations qu'il y a eu, jusqu'à la fin où, Chez Kol Adorot, toutes les générations étaient énervées, faisait le contraire de la volonté de Hachem pour l'énerver, pour aller à l'encontre, se rebeller contre lui. Ad Shehevi Alehem et Me Amaboul, jusqu'à ce qu'Hachem a apporté sur eux le Maboul, le déluge, et il a tout rayé sauf Noach. Et ensuite, la Mishnah continue, on va revenir dessus, mais d'abord, comme ça on va présenter les deux fois 10 générations, avec l'aboutissement très différent entre les deux cas. À Sarah Dorot Minoach Vad Avraham, il y a eu aussi 10 générations depuis Noach jusqu'à Avraham. Vous avez compté, il y avait Noach, et ensuite Shem, Arpachshad, et là-bas il y avait là, comme ça les Ever, Reu, il y en avait comme ça 10, jusqu'à ce qu'on est arrivé à Noach, Nahor, et ensuite Noach. Et ensuite Avraham. Donc de Noach jusqu'à Avraham, il y a eu ces 10 générations, pour t'apprendre aussi apparemment le même principe, mais en réalité très différent, les Hodia, pour t'enseigner, t'apprendre, Kama Erech Apaim Lefanav, combien il y a de la patience devant lui, combien Hachem il est patient, il ne se met pas en colère, Shekol Adorot Ayumach Isinubaim, car toutes les générations étaient énervées et allaient à l'encontre d'Hachem pour qu'il se mette en colère, et Hachem ne s'énervait pas. Ad Sheba Avraham, jusqu'à ce que vienne Avraham Avinu, et Kibel Alav Sachar Kulam, et qu'il a pris sur lui le mérite de tous. Et on va expliquer un petit peu mieux qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette Mishnah. Tout d'abord, le but de notre Mishnah, c'est rapporté dans le Barthénora doublement. Il y a la première partie de la Mishnah, d'abord, elle vient nous apprendre que depuis Adam et Jeune jusqu'à Noir, toutes les générations, ça a duré pendant 1656 ans. Elef Tarnu Shana, depuis que la 600e année de Noach, où Hachem a commencé à envoyer le déluge, il y a eu là-bas 1656 ans qui se sont écoulés depuis la création du monde, où la plupart de ces années, ça a été que du rébellion, que les hommes faisaient le contraire de sa volonté, ils ont fait la Avodah Zara juste pour
énerver Hachem pour faire le contraire de sa volonté. Et malgré tout, Hachem ne s'est pas mis en colère, jusqu'à qu'à la fin, il a vu qu'il n'y avait plus d'autre issue, il a dit, bon, Noach, toi t'es le tzadik, je te mets dans la petite, dans la Teiva, je ne sais plus comment ça se dit en français, l'arche de Noach, je te mets dans la Teiva, et on détruit tout, et on recommence tout à partir de toi. Regardez pendant combien de temps Hachem est patient. Ça vient de nous apprendre pour nous quelque chose de très important, que le partenaire explique, autant que nous aussi, on traverse un exil infernal, et on est là, et on reste intègre autant qu'on peut avec Hachem, on continue à perpétuer la Torah, à l'enseigner, à la transmettre à nos enfants, et on ne voit toujours pas le bout, et pendant ce temps, les goïms, ils ont continué à nous faire des misères, génération après génération, chaque génération avec sa forme, mais le principe c'est toujours le même, et nous on est patient. Et bien la Mishnah elle te dit, moi sache que, il y a déjà eu ça, pendant 1656 ans, Hachem il ne s'est pas fâché, jusqu'à qu'à la fin, il a tout détruit. Et bien la même chose aussi, prends garde, patience, continue à rester intègre dans tout ce que tu fais avec Hachem, sache que finalement, les goïms qui nous ont fait souffrir, ils finiront par payer Bezrat Hachem, et nous, on sera Bezrat Hachem sortis d'affaires. Ça, c'était la première partie de la Mishnah, donc, qui nous montrait que 10 générations, et l'aboutissement, ça a été la destruction de tout. Là, de Noach jusqu'à Avraham Avinu, cette fois-ci, c'était le contraire. C'est aussi 10 générations, ils ont énervé, il y a eu là-bas la tour de Babel, Nimrod, tout ça, ça se trouve dans ces 10 générations-là, vers la fin. Et malgré tout, chez Kol HaDorot, toutes les générations aussi, ils se rebellaient contre Hachem. Et malgré tout, comment ça s'est fini? Il est venu Avraham, et Avraham Avinu, il a eu tellement de mérite qu'il a réussi à faire basculer la balance, qu'Hachem n'a plus rien détruit parce qu'il a trouvé un sur qui se rabattre, avec qui conclure l'alliance, lui dire, ben c'est très bien, puisque tu as été un bon toi, eh ben, on va continuer le programme mondial par ton biais. Ça, c'est venu nous apprendre une autre forme. C'est pour ça qu'il y a marqué Erech Apaim. La Gemara, elle explique Erech Apaim. Au lieu de dire Erech Af, qu'il retient la colère, on dit Erech Apaim au pluriel. Il retient les colères. La Gemara, elle explique Erech Af, la Rishaim, et Erech Af, la Tzadikim. Il retient la colère de deux manières, pour les Rishaim et pour les Tzadikim. Le Tosot Yom Tov, ici, il explique. Précisément, c'est ce que la Mishnah est venue nous apprendre. La première, c'était la retenue de la colère, jusqu'à qu'à la fin, bon, il a fallu mettre un terme et tout détruire. Et des fois, Hachem aussi, il retient la colère en attendant justement le tzaddik. Et lorsque le tzaddik il arrive, alors Hachem, il va le chérir tellement fortement que ça y est, il oublie tout ce qu'il y a eu, il se concentre que sur lui. Tant pis pour tous ces idiots qui ont préféré faire les clowns pendant 10 générations, j'en ai trouvé un qui vaut le coup ici sur Terre, et je reprends le monde et je fais tout. Ça vient aussi de nouveau nous apprendre un super moussard pour l'exil qu'on traverse, où on continue on souffre malheureusement en chaque génération, même si ces dernières décennies, ça va quand même plus ou moins, depuis la Shoah, on traverse quand même, on respire un petit peu plus, on va dire comme ça, mais sache que malgré tout, on est encore en exil, on est encore en difficulté, et ben, toi, attache-toi maintenant à faire la Torah et les mitzvot avec tout ton cœur et à transmettre ça à tes enfants avec tout ton cœur, avec toute l'importance qu'il faut y mettre. Et puis, par là, tu vas réussir à, au contraire, apaiser le courroux d'Hachem et lui faire plaisir que rien que parce que toi, tu es là, hein, alors il va tout construire à partir de toi parce qu'il va se consoler de t'avoir sur terre. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Sacha, comme tout ça.